Comme à chaque fois, on vous ramène un sujet intéressant, comme le flash dance, comme les jeux des années 70, ou comment écoutions-nous de la musique dans les années 80. Alors aujourd'hui, on va vous parler du parcours avec un K. Mais avant d'aller plus loin, on va voir cette petite vidéo. À trois, on pense. Le parcours, abrégé PK, ou l'art du déplacement, est une activité physique qui vise un déplacement libre et efficace dans tout type d'environnement, en particulier hors des voies de passage préétablies. Ainsi, les éléments du milieu urbain ou rural se transforment en obstacles franchis grâce à la course, au saut, à l'escalade, au déplacement, en équilibre, etc. Le parcours en tant que tel n'existe que depuis les années 1990. Il reste peu connu du grand public et des institutions sportives traditionnelles. David Bell est reconnu comme l'inventeur du parcours moderne au début des années 1990 à Lis. Vous avez pu voir David Bell dans ses prouesses dans la bande vidéo B13. En 2016, le parcours fait toujours plus d'adeptes, en particulier chez les jeunes. Il est également enseigné dans des écoles au Danemark et en Algérie. Oui, en Algérie, ce nouveau sport se pratique de plus en plus par beaucoup d'adeptes. Chaque année, il y a des appels via les médias sociaux pour lancer des défis. Exemple, Batna en 2012, Steffi en 2013 et bien d'autres. Plusieurs pages Facebook existent. Juste tapez « Parcours algérien ». KWTV va vous présenter un montage vidéo. On espère que vous allez apprécier.
And do you know, do you know? Do you know what it feels like loving someone? The sin rushed it through you away. Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? Guess who's coming? Timberland, a.k.a. Pickettville Drummers. Who gon' get it crunk like me?